Bonjour à tous et bienvenue dans le retour du journal du club. Oui, le retour puisque il y a eu une petite trêve suite aux intempéries, hein, la neige, la pluie. Donc deux matchs ont été reportés. Une première date a été remise, hein, déjà pour le premier match. Je ne l'ai pas en tête, mais peu importe. Salut Fred, Salut, ça va? ça va? On a pu se reposer un petit peu? Un petit peu, ouais, c'est bien. On a également la présence du président ce soir, puisqu'on va Bonsoir. pouvoir parler Bonsoir, un peu. jeunes gens. Bonsoir, monsieur le président. On va profiter de toi, Jean-Pierre, ce soir, vu qu'on a du temps. Il y a eu quelques matchs amicaux ce week-end, dont la CFA 2 qui a rencontré la CFA de l'Estac et qui a réalisé un très beau match. Oui, donc. Hier matin, donc, on rencontrait l'Estac, la CFA de l'Estac. Il ne faisait pas très chaud, mais il faisait beau, il faisait soleil. Et donc, avec nos nouvelles recrues, donc, parce qu'on a quatre nouvelles recrues, c'est-à-dire que l'épine dorsale a été échangée. Donc, il y a un nouveau gardien qui a déjà joué deux matchs, mais qui s'entraîne avec l'Estac et qui fait de gros progrès en ce moment. Il y a un défenseur central, il y a un milieu de terrain. Et il y a aussi un avant-centre qui est arrivé, donc c'était son premier match. Donc l'Estac avait une très bonne équipe parce qu'il y avait d'ailleurs plusieurs professionnels. Et on a fait un excellent match, donc c'est peut-être de bon augure pour la suite. Alors je pense que d'abord le groupe a changé dans sa mentalité. Je pense qu'il y avait une mentalité un peu spéciale, donc il y en a qui sont partis, donc il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui ont amené une certaine qualité et donc qui emmènent le groupe plutôt vers une meilleure qualité. Donc on verra après pour des matchs de CFA2, mais pourquoi pas penser qu'on puisse faire une meilleure deuxième partie de saison que la première, pour un certain nombre de raisons d'ailleurs, parce qu'on il y a eu tellement des vents défavorables que si quelquefois les vents étaient meilleurs, peut-être qu'on peut réaliser, pourquoi pas, et c'est toujours possible, l'exploit, c'est-à-dire essayer de rester en CFA2, parce que c'est une belle aventure. Morgane, tu as fait les déplacements, tu peux confirmer que c'est une belle aventure, Très belle, très belle. c'est quand même autre chose que la DH. De belles rencontres aussi. Il y a des belles des rencontres intéressantes sur le plan du football, et puis l'environnement global, voilà, la qualité des clubs, et donc tout ce qu'on a pu découvrir, parce qu'en fait c'est une découverte pour nous, et on aimerait bien rester à ce niveau-là pour essayer de continuer et puis de pérenniser un peu notre action donc dans ce secteur de compétition. Voilà. Puis sans oublier le travail aussi de toutes les personnes au club, hein, qui ont travaillé pour réussir à accéder à ce niveau, puisqu'il y a eu beaucoup de choses à modifier, à préparer, à installer en début de saison, et puis même encore, hein, on est encore en plein réglage, hein, pour cette première année de CFA 2. Mais on sait bien de toute façon qu'on n'arrive pas à ce niveau-là sans l'adhésion du club. Et sont surtout la participation d'un certain nombre de personnes qui doivent participer à l'action. De toute façon, c'est un club, enfin, c'est le football, c'est un travail d'équipe. Et donc l'équipe, c'est d'abord le club. Et puis c'est l'équipe numéro un, le porte-drapeau, qui aussi représente le club. Mais s'il faut qu'on soit derrière eux, et je pense qu'il va falloir qu'on se mobilise d'ailleurs pour les matchs qui vont venir, parce que je pense qu'on peut certainement réaliser quelque chose avec le groupe que l'on a maintenant, avec ce qu'on a vu hier, avec ce que disait l'entraîneur de l'Estac, qu'il a eu un match, qu'il a vu un match intéressant, qui avait comment dirais-je, une résistance de notre équipe intéressante, autant sur le plan du football que sur le plan de l'engagement. Parce que c'est resté comment dire, une confrontation tout à fait correcte, un match tout à fait correct, mais d'excellente qualité. Ça fait vraiment plaisir de voir notre équipe jouer à ce niveau-là. C'est vrai. Toi, Fred, t'en penses quoi de tout ça? Le maintien, ces petits réglages, les changements qu'il y a eu, les arrivées, les départs pendant cette trêve?
Je pense que d'un point de vue football, il fallait qu'il y ait quand même un peu de turnover, parce qu'il arrive un moment, ça devenait critique. Et j'espère que déjà, on l'a vu sur le dernier match à domicile, là, où il y avait vraiment une mentalité qui était avec beaucoup de plus par rapport aux rencontres précédentes. Donc, il y a de la qualité de football, mais après, bon, faut qu'il y ait une mentalité qui suit. C'est sûr. T'es fatigué, toi, aujourd'hui. Non, ça se voit, hein. Non, mais c'est vrai que de toute façon, il faut qu'il y ait le mental. C'est ce que dit Friends. Si et donc, c'est arriver à conserver le mental alors qu'on a tout perdu. Enfin, on n'a pas gagné un seul match. Et donc, et c'est pourquoi, en fait, le match là, contre l'Estac a montré un autre visage avec des gens qui arrivent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cet a priori. Et donc, eux, ils ne viennent pas pour perdre, ils viennent plutôt pour essayer de gagner. Donc, je pense que c'est important, parce qu'on est monté avec une équipe de DDH, et donc ça va vite. Et le temps de stabiliser les choses, de trouver un terrain, de trouver plein de choses, quoi. Ce qui est arrivé, assumer les déplacements, assumer les rencontres, tu sais bien, avec le nombre de gens qui doivent participer. Tout ça a fait que, en fait, le sportif, on a pensé qu'on y arriverait. Et en définitive, on ne peut y arriver qu'avec des apports, un apport supplémentaire. Et donc cet apport supplémentaire, là, on a essayé de le réaliser, enfin plus on a essayé. C'est surtout en fait des gens qui s'occupent du technique, enfin du sport enfin, et de l'équipe 1, qui ont apporté donc ce vent nouveau qui, on espère, va nous permettre de faire meilleure figure. Donc, et y a pas de raison. Donc par rapport à ce qu'on a vu hier, il n'y a pas de raison. Il y a une chose qui me surprend quand même, c'est que les années précédentes, on survolait les championnats, c'est vrai que d'un point de vue football, d'un point de vue mental, on survolait, on a terminé premier de DH, je dis pas où la main, mais enfin, on sentait quand même qu'il y avait une grosse maîtrise, et puis là on arrive en CFA2, on a l'impression qu'on est largement en dessous. Mais c'est une marche, qui est très supérieure. Alors, est-ce que c'est du fait que le niveau DH, on va dire, est faible? Il y a de quoi se poser des questions quand oui, même. Oui, mais de toute façon, tu as mis le doigt où ça fait mal. C'est-à-dire que la DH, on va dire, d'elle est faible. Donc, on a été champion de DH. De toute façon, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, on remet l'équipe qu'on a aujourd'hui en Champagne-Ardenne, on est encore champion. Et donc, on est monté avec une équipe de DH. Et quand on interroge notamment Dominique Delattre, qui connaît le football au bois, il dit c'est pas la peine d'aller chercher un joueur ailleurs. Les meilleurs joueurs, on les a. C'est-à-dire que dans le département, on n'a pas de meilleurs joueurs que les nôtres. Donc on n'a pas de possibilité de se renforcer avec le département. Donc par la suite, si on arrive à un autre niveau et qu'on fasse une passerelle avec les stacks, ça va être peut-être un peu différent. Parce que c'est la seule solution. Parce que dans l'eau, c'est pas la peine d'aller chercher un joueur autre que les nôtres. Les nôtres sont les meilleurs. On a vu avec les confrontations contre Bar-sur-Seine, dernière fois qu'on a joué contre Bar-sur-Seine, qui... Se comporte très bien en DH, ils doivent être 4 ou 5e, ils ont perdu peu de matchs, je crois, donc on a gagné 4 ou 5-0, je ne sais pas, mais on en aurait mis 7 ou 8, c'était pareil. Hein. Donc on voit bien, même en commençant à perdre en Coupe de France, les équipes de DH, on n'a pas de problème avec une équipe de DH. Par contre, en CFA2, c'est autre chose. En CFA2 c'est un tout autre niveau, hein. Voilà, c'est un autre niveau. Et puis, ce sont des clubs qui ont plusieurs contrats fédéraux, qui ont 7, 5, 6, quelquefois 7 ou 8 contrats fédéraux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui naviguent dans des sphères plus hautes et que l'on peine. Je crois, c'était pas le dernier match, mais l'avant-dernier match, ils avaient 4 contrats fédéraux, c'est 4 000 euros par mois, les contrats fédéraux.
Entre 3 et 4 millions par mois. Donc c'est pas du tout dans les possibilités d'un club de l'Aube. Voilà, donc c'est un contexte totalement différent. Et donc par contre, on a trouvé des joueurs, on va voir. Mais a priori, ça apporte incontestablement. Et puis c'est surtout dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que ils n'ont pas cet handicap d'avoir perdu et puis de se dire qu'ils sont les meilleurs, quoi. Eux, ils viennent pour prouver qu'ils peuvent aller au-dessus. Voilà. Alors que les nôtres, ils viennent en disant on est les meilleurs et on n'a pas de concurrence. C'est aussi ça qui est dans la tête. Donc là, maintenant, la concurrence est arrivée. Ben, la concurrence arrive. Très bien. Tu parlais également du terrain, qu'il a fallu trouver un terrain en début de saison en urgence, puisque nous, le terrain à Sainte-Savine n'était pas homologué. Oui. Ce qui va bientôt changer, puisque ça y est, le terrain est prêt, hein, donc il reste quelques petits réglages, on va dire, à faire. Et on rejouerait à Sainte-Savine, ce qui changerait les horaires de match. Ben, ça changerait les horaires de match, puisque, a priori, si on joue à Sainte-Savine, étant donné qu'on n'a pas d'éclairage, donc on rejouerait le dimanche après-midi. Donc pour les gens qui souhaiteraient voir notre équipe, je pense que c'est certainement plus facile le dimanche après-midi que le samedi soir à 19h, parce que samedi soir à 19h, c'est vrai que c'est pas simple pour tout le monde. C'est vraiment très tard, quoi. Et puis surtout, quand on arrive en période hivernale comme ça, il ne fait pas non plus très chaud à 19h. Donc voilà, donc on va voir, je vais essayer de voir André Housset ou de le joindre ces jours-ci pour savoir où ça en est, savoir en fait si il y a possibilité d'homologation, s'il y a possibilité d'homologation de le faire assez vite, pour que dès qu'on puisse, et puis on est quand même plus chez nous. Voilà, c'est vrai. On est à Sainte-Savine, on n'est plus chez nous, c'est plus chaleureux. C'est vrai que atterrir c'est bien, et puis merci à l'Estac de nous avoir aidés de ce côté-là, mais on n'est pas tout à fait chez nous, quoi. C'est vrai. Je pense qu'il y aurait peut-être plus de jeunes sur le bord du terrain dimanche après-midi que le samedi soir aussi. Oui, absolument. Absolument, c'est joué, absolument. Mais en parlant de monde, d'ailleurs, il y a un message à faire passer, puisque samedi on reçoit donc Colmar. Oui. Colmar qui est 12e du championnat, donc c'est sur ces équipes-là qu'il faut réussir à grappiller des points et surtout ne pas en perdre. Donc on va avoir réellement besoin de vous pour soutenir l'équipe, montrer aussi, vous montrer ce nouvel élan. S'il y a eu un 3-3 hier face à la CFA de l'Estac, c'est pas pour rien. Le club a travaillé dur pour réussir à ce que cette équipe puisse se maintenir. Donc venez de plus en plus nombreux pour nous soutenir à chaque match. Même si là, samedi prochain, c'est encore en réitéré, on a vraiment besoin de monde et les joueurs ont besoin de voir aussi qu'ils sont soutenus. Donc n'hésitez pas, je rappelle que l'entrée pour tous les licenciés du club est gratuite. Sinon, c'est au prix de 5€, hein, me semble-t-il. 5€, donc n'hésitez pas à venir et nous encourager. On en aura besoin jusqu'à la fin. Les points vont être maintenant très chers. Absolument. De toute façon, tu étais à Colmar. Non, c'est le seul déplacement que j'ai pas fait. C'était le premier match. Je ne sais plus quel était le résultat de Colmar. Ils ont des installations magnifiques. C'est des années-lumière. Il y avait Jackie David à Colmar. Il y avait Jackie David, comme d'habitude. Et donc, je me souviens plus quel résultat on avait fait. Mais incontestablement, c'était encore un match qu'on pouvait sur le terrain. Et curieusement, tous les premiers matchs, on avait l'impression que ça allait faire. On survolait, oui. Oui, absolument. Ouais. Sarreguemines, à Sarreguemines. Oui, c'est ça. On était meilleurs sur le terrain. Voilà. Colmar, ça avait fait un partout. On prend un but sur pénalty, d'ailleurs. Ah oui, peut-être. Ouais, en fin de match. Je ne me souviens plus trop. Mais en fait, ce sont des matchs à gagner maintenant. Et je pense qu'on a les moyens de. Je suis même persuadé qu'on a les moyens de les gagner. Donc il faut du monde derrière, effectivement. Il faut essayer d'encourager notre équipe, parce que ça serait bien qu'on reste en CFA 2. On ferait bien un petit tour en CFA 2, non, Morgane ? Ah, moi, je signe. Je signe. Voilà. D'ailleurs, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Toi, tu vois des matchs ici, à domicile. Bon, c'est différent. Hein, c'est différent. C'est une autre dimension. Donc,
On retomberait en DH, on retourne. Moi, je n'ai rien contre Clermont et puis tous ces clubs-là. Mais recommencer encore la même chose. Mais il y a un déplacement que tu dois faire. Tu es invité par. Saint-Louis. Donc Saint-Louis, j'essaierai de m'arranger pour être là. Je pense qu'on aura du monde, on prendra un grand car ce jour. Eh bien, pourquoi pas, si on peut, si on peut faire un bus, on fait un bus avec les jeunes du club. Hein, les jeunes du club, vous êtes également invités à faire les déplacements. Ouais. Il y a des places restantes dans le bus des joueurs. Le bus. On a fait beaucoup de déplacements avec le bus de l'Estac aussi, qui a la gentillesse de nous prêter leur bus. Donc c'est très agréable, on voit de belles structures, ce qu'on n'a pas forcément ici dans le département. Donc n'hésitez pas à demander s'il y a de la place, vous êtes les bienvenus. Hein. Dans tous les cas, le bus fait le trajet, donc s'il y a deux ou trois sièges de libre, on peut emmener du monde. Absolument, on a bien joué. Voilà. Fred, un petit mot à rajouter ? Non, pas rien de spécial. Non. Non plus. Oui, non, mais simplement, je vais dire que de toute façon, on continue à avancer sur l'intention de fusion. Hein, c'est on n'en avait encore pas parlé dans le journal, hein, cette. Non, cette donc on commence à. Donc tout le monde est au courant, puisque en fait, on a clairement annoncé. On avance dans l'intention de fusion, donc on doit présenter pour fin mars un dossier structuré. Donc, des commissions vont être mises en place. Donc, il y a une commission sportive, une commission administrative et financière, une commission sponsoring communication et ensuite une commission infrastructure. Et donc, la première commission, c'est lundi soir, auquel notre ami Fred est invité. Donc on commence la commission pour structurer notre dossier afin de le présenter donc ensuite en assemblée générale dans tous les clubs et puis parce que c'est la solution encore une fois pour avoir un projet sportif, c'est qu'il faut des infrastructures, il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. Donc la seule possibilité, c'est aujourd'hui de rassembler nos forces afin de combler ce grand vide qu'il y a entre les Estac et tous les petits clubs amateurs, voilà, qui naviguent maximum DH et qui redescendent et qui remontent. Donc il faut essayer, c'est une volonté aussi des Estac d'avoir de nous prendre la main et d'avoir un club derrière eux. La preuve, c'est que quand ils ont besoin de faire un match, eh ben ils nous appellent pour faire un match. Un match pour s'entraîner contre nous, et ils sont contents qu'on l'ait fait, et ils ont trouvé qu'il y avait de la qualité dans notre équipe. Mais on fera peut-être un journal spécial là-dessus quand il y aura beaucoup plus de précisions, parce qu'on va être pris par le temps. Hein, donc, on fera un journal, je pense, un journal spécial en semaine où on verra ça, où vraiment on pourra apporter beaucoup plus de précisions. Alors, précision, de toute façon, c'est pas pour éliminer des gens, au contraire. C'est pour essayer de conserver tout le monde, parce qu'on aura besoin de monde pour donc un tel projet. C'est pas du tout. Tout le monde aura sa place. Il n'y aura pas d'exclus. Celui qui ne veut pas suivre un projet, celui qui ne veut pas progresser. On en reparlera, Jean-Pierre. On en reparlera plus précisément, d'accord. Parce que là, on est vraiment pris par le temps. D'accord. On va aller à la rencontre aussi cette semaine. Ça passera dans le journal la semaine prochaine de Dominique Delattre, donc le nouvel entraîneur de la CFA2. On le rencontre cette semaine avec Fred. Donc vous aurez toutes les images en exclus dimanche prochain. On se retrouve également samedi sur le terrain avec la CFA2. Je ne sais pas si Morgane aura le temps de faire les matchs du week-end prochain, puisqu'on est vraiment pris par le temps. À la semaine prochaine, merci à vous, salut.